Comment est-ce que vous définirez le Saint-Esprit? Est-ce qu'il s'agit d'un esprit doux, un souffle, un coup de vent? Ou alors un esprit de consolation, de la vérité, de l'amour? S'il est peut-être parfois difficile pour nous de définir l'Esprit Saint, il y a dans les Écritures des possibilités de savoir comment l'Esprit chemine en nous et finalement comment nous pouvons nous étudier et faire un état des lieux de notre situation par rapport à l'Esprit Saint. Voici ce qui est écrit. Mais ce que l'Esprit produit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Oui, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit Saint nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Et ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. C'est une belle invitation. Et aussi parfois un constat accablant de peut-être notre imperfection et de ce que nous n'arrivons pas encore à faire. Mais n'ayons pas peur de prier l'Esprit, de prier l'Esprit Saint de nous guider, de nous renforcer et de nous aider à marcher dans la vérité et la volonté de Dieu.